Côte d'Ivoire. Dès que tu fais petite sieste, tu es bleu bleu dans tout. Quand tu dis que tu es fatigué, tu as te reposé un peu, tu as dormi, tu as reposé juste un peu, un petit peu les yeux. Quand tu te réveilles là, ah, tu es dépaysé jusqu'à Yapa. Tu es hier, il a dormi, hier, il a vu affaire de Emmanuel Keita, Brazil Girl, il a vu, il me dit que bon, est-ce que je dois parler de ça, je dois pas parler de ça, bon, faut dormir. Je dors, il me réveille encore, il voit affaire de conseil de Team Paya. Mais il dit que non, ah non, non, là tu dois pas laisser. Non, là seulement tu dois pas laisser. De toute façon, moi-même, je ne savais pas c'est quoi il allait faire sur ma chaîne deux jours là. Il ne savait pas c'est quel contenu il allait vous proposer. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de ça. D'une part, de l'affaire Emmanuel Keita et puis Brazinger. Et puis de l'autre part, je vais vous donner mon ressenti sur le concert de C Milano et puis sa team. Voilà. Parce que pour moi, c'était le concert de C Milano sur moi. Ah ouais, faut pas qu'on se monte, faut pas qu'on se baratine. Hein. Voilà, écoutez. Voilà, donc abonnez-vous pour ceux qui viennent de me découvrir. Moi, c'est Dove. Je parle d'audiovisuel. Je donne mon avis sur tout ce qui est people, media. Mettez pouce. Et puis, aimez la vidéo. On est là. Like. Et ça, on va faire une chanson. Like. Moi je m'appelle le Big Dog, je suis là pour vous enjailler. Je parle de people et puis ça prend. Je parle de Starmania et puis c'est chic. Je parle de Star et puis j'aime ça. Voilà, c'est notre nouveau générique qui est là, hein. Donc si tu as fini de liker, on peut commencer la vidéo. Brazinger a été reçu sur une ITV. Étant donné qu'elle anime une émission où les gens viennent chercher l'amour, lui on pose une question. Parmi les stars, c'est quelle star tu vois que si se mettent ensemble, ça a donné. Ça peut donner quelque chose. Brazing a réfléchi. Elle dit que Emmanuel Keita et puis le gars qui fait polémique là. Pas de coup. Voilà. Emmanuel Keita s'est fâché, elle est sortie tantôt pour dire que ah, que non, elle n'a pas aimé, que. Bref, je vous lis ce qu'Emmanuel Keita a dit. Que la provocation mêlée à du manque de respect. Pourtant, il n'y a pas de ça entre toi et moi. J'ai pas trop compris, Brazing. Fais gaffe, j'aime pas. On sait pas lui. Ou bien, j'ai bien fait non. Dans les commentaires, elle a écrit, tu es capable de faire une pub et la faire mousser sans mon nom. Sors de cette mission où il faut à chaque fois me rabaisser. Tu n'as aucun droit, même dans l'improbabilité, de citer mon nom dans ces conneries. Non, girl. Je t'ai toujours donné du respect. Non, sis. Non. Si tu étais en face de moi, c'était une claque directe. J'écherais. Hein? On t'a envoyé ce qu'il a dit. Hein? Oui, ça. Pour toi, dans les personnalités publiques ivoiriennes, ce serait quoi un bon match? Un bon match? Hey! Laisse-moi réfléchir. Mais ça aussi, si tu donnes le nom d'un pain qui est déjà. En couple, c'est un peu compliqué. Tu as dit tel et tel autre. Bon, EK avec qui même? Comment il s'appelle? Paco qui aime tout ce qui est polémique là. Ne riez pas, hein, parce que je vous vois derrière. Quand vous voulez des couples improbables, on va aller de ces. Il va dire que Keita est celui qui fait polémique là. Patrick. Patrick Yao. C'est ça. Voilà. Ils ont demandé couple improbable. Elle a donné son couple improbable. Pourquoi la petite se fâche? C'est dans l'improbabilité. Pourquoi la Didi s'offusque? Je sais pas. Donc, on va partir chercher ensemble la définition de improbable dans le dictionnaire Larousse. Improbable, invraisemblable, incroyable, inattendu, insolite. Bon, Didi, ça veut dire tout simplement que genre, ça va jamais arriver. C'est inattendu, c'est insolite, c'est impossible. Ouvrez-moi. C'est invraisemblable. Maintenant, pourquoi tu as peur? Ah, même si ce n'est pas ta cam, pas de Kusaku, pas trop Yahoo, pourquoi tu as peur? Moi, je ne comprends pas. Hein. Toi, tu voulais te faire voir un peu deux jours là sur les réseaux. Faut nous dire la vérité. Là, tu dis que Brazing n'a aucun droit de citer ton nom, même dans l'improbabilité. Pourtant, toi, tu fais de même. Tu cites les noms des gens dans ton émission Mood by Uka. Toi aussi, tu n'as aucun droit de citer leur nom dans ton émission. Mais tu le fais. Quand même. Et puis c'est chic, on aime ça. Donc pourquoi maintenant tu t'offusques
tu t'irrites dès qu'on cite ton nom quelque part. Je ne comprends pas la logique. Je pense que vraiment tu voulais te faire voir. Faut dire la vérité, tu voulais te faire voir. Du moment que tu as une personnalité publique, on peut te citer. Hein. Et imaginez, chaque personnalité publique sort pour dire que non, ne me citez plus dans ça, ne me citez plus dans ça. Finalement, citer qui? On citer quoi? Les émissions vont marcher comment? Les gens vont regarder quoi? Les réseaux sociaux, c'est la fin? Ah. Team Paya. On va décortiquer ensemble là. Elle n'entend même pas, c'est le concert ça là. Concert de merde. Voilà, là c'est le film Bouchicote décalé Yimé. Ah, film Bouchicote qui a plu comme ça là. C'est ça. Je n'entends pas les bruits là. C'est que peut-être les gens avaient raison, un concert n'était pas chic. Parce que film Bouchicote, quand tu mets film Bouchicote comme ça là, ça prend, tout le monde danse, on entend bruit, tout le monde chante. Aïe. On est perdu de la perte, on est perdu de la ouais, on nous voit tout à tué. Tu es en job. Pourquoi il n'entend rien? En tout cas, moi je pense que c'était le concert de Milano. C'était pas le concert de la Team Paya, mais c'était le concert de Milano. Oh Milano, non, l'enfant là il a une étoile. L'enfant là il a de l'avenir. En tout cas Milano, il faut commencer à bien économiser. Parce que c'est ta manière des Ivoiriens là. Vraiment, ça ne dure jamais éternellement. Donc commence à bien économiser pendant que étoile est chez toi. Hein. Voilà. Donc Milano il est fort. J'ai bien aimé ses parties. Bon, les extraits que j'ai vus, en tout cas, j'ai bien aimé. Voilà. Il n'y a pas là la Team Paya. Je suis allé à leur concert, je me suis blessé même. Mmh. Mes chaussures sont restées là-bas. Hein? Franchement, c'était bon, mais la sécurité, c'était pas vraiment ça. C'était pas vraiment ça. Ah, la sécurité, c'était pas ça comment? Ah, la Team Paya. Bon, moi, c'est ce qu'il a dit. Moi, j'étais pas là-bas. Mais en tout cas, tiens, sécurité quand même, c'est la base. Il y a eu aussi la présence de Nika Paul. Nika Paul, j'ai pas compris le fait d'enlever ton habit pour danser. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez pensé les amis, mais vraiment moi j'ai pas trop compris. Voilà quoi. It was too much. Il y avait aussi Roselyne Layo qui est venue chanter du Arafat. Très forte latency comme d'habitude, tu as tué. Il y avait Kamen Sama qui est venu faire travaillement. La petite Carmen. Yeah! Tu es concrète, la vieille mère. Tu es concrète. Concrète, ça, la quantité concrète. Concrète, ça, la quantité concrète. Tu concrétises les choses. Tata Carmen. Ouais, je vais faire. Tata Pardon. Il y a mon association, ça s'appelle One Person, One Smile. Si tu le sais, s'il te plaît, venez nous aider. Tata, c'est dur. Pardon. On aide les gens qui sont dans le besoin, t'as ça pour nous aider au et pardon. Vas-y ça, passe le numéro, t'as ça pour me contacter. S'il te plaît. Je suis ton bon petit, t'as ça. Félicitations à vous. Voilà. Félicitations à vous, même si les gens n'ont pas aimé, ben ça fait partie de la vie des artistes. Je pense que vous allez vous améliorer. Maintenant, vous qui ne regardez pas toute la vidéo et puis vous venez mettre des imbécilités sous mes vidéos là, sachez que l'adversaire est ivoirien. J'ai le malpalage très facile. Je voulais être courtois avec vous. Quand tu écoutais moi, je suis courtois et toi. Quand tu écris des trucs bizarres, tes dessins, hein, faut pas besoin de provoquer. Je suis venu sur internet ici, je vais pas faire montrer ce visage là. Je vais faire montrer un visage de ma personnalité qui n'aime pas les embrouilles, qui n'insulte personne sur les réseaux, qui donne son avis dans le respect. Ne me nervez pas. Ne me faites pas y commencer à vous parler mal. Non. Vous ne regardez jamais toute la vidéo. Vous venez mettre les trucs qui disent toujours c'est vous qui critiquez. Est-ce que je suis la seule personne à faire ce genre de contenu ici? Plus jamais. Ok. Sachez très bien ceux qui vous faites ça. L'adversaire ivoirien et l'adversaire a du répondant. Ok, continue.
Donc les amis, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. J'espère que je vous ai partagé ma bonne humeur comme d'habitude. Et j'espère que j'ai pas été méchant.